Yo les gens, c'est Ilozan. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo setup. Enfin voilà, ça fait super longtemps que vous l'attendez. Mais venez, suivez-moi, je vous montre. Et voilà les gens, la config. Donc ici on se retrouve avec deux écrans Samsung en 24 pouces. Des 60 Hz, vraiment sympathique. Donc ici, celui-ci c'est l'écran avec lequel je joue. Et celui-ci c'est l'écran avec lequel j'ai mon chat, mon OBS et tout ça. Je vous montrerai ça après peut-être éventuellement. Ici on part sur une C920, donc 1080p, super qualité d'image pour les streams et tout. Rien à dire, par contre le son il est totalement pourri. Alors juste ici derrière, on se retrouve avec la Logitech je ne sais plus quoi. C'est une caméra qui a fait son boulot pendant le tout début de mes streams, donc que j'avais pas beaucoup de moyens pour me la payer et tout ça, que je travaillais pas trop. Donc voilà. Ensuite ici, on passe à des outils les plus importants de ma config, je pense. C'est le micro. Donc le micro, c'est un Bird UM1 USB noir, avec ici son anti-pop-up. Et tout simplement le pied. Donc ici, c'est un micro standard, un pied standard et un anti-pop standard. Donc ici, pour les trois, vous en avez pour 100€. Donc je vous invite clairement, ceux qui ont envie d'essayer, qui n'ont pas vraiment beaucoup de budget, allez-y, foncez. Ensuite, au niveau du clavier, juste derrière, on se retrouve avec le G19S de chez Logitech. Vraiment super sympathique. Je peux changer les couleurs, je peux faire plein de choses avec. J'ai la petite horloge là. Bon, ça, c'est concrètement, on s'en bat les couilles, ça sert à rien. J'investirai bientôt dans un clavier mécanique. Bon, par contre, faites pas attention à l'état du tapis. Il a ramassé sur sa gueule à cause des liquides vape. Ici, bah, c'est pas compliqué, c'est un truc qui est tout le temps branché. C'est mes accus pour la vape. Ici, on part tout simplement sur la souris de Logitech. Encore une fois, la G502 Proteus Core. Vraiment une super souris, assez maniable. Vraiment, on l'a vraiment totalement en main. Donc elle est vraiment chouette. Alors ensuite, juste derrière, on retrouve ici même tout simplement le G930 de chez Logitech, donc casque sans fil, vraiment super super sympa. Au niveau son, j'ai envie de vous dire, irréprochable. On n'entend vraiment pas, mais alors vraiment pas du tout, du tout, du tout le son extérieur quand on est en jeu. Alors ensuite, on passe sur le boîtier ici, donc le boîtier c'est un peu plus différent. Boîtier fractal, si je me plante pas, c'est le Fractal R5 Design White. Donc voilà, avec tout simplement dedans une 1070 Armor MSI 4 Go, c'est... non c'est 8 Go celle-là, excusez-moi, 8 Go. Alors on a un disque dur de 250 Go Samsung 1 Tera en SSHD, ainsi qu'une Z270A Pro Gaming Carbone pour la carte mère, et un i7-6700K. Alors ici, ce que j'aime vraiment bien sur cette tour-ci, c'est ceci, vous allez voir, tout ceci. En gros, c'est pas compliqué. Ici, vous avez un filtre anti-poussière, et là aussi. Mais en plus du filtre anti-poussière, attention miracle, hein, vous avez des ventilos, filtre anti-poussière. Ça fait à peu près 6 mois que j'ai cette tour-ci. Et franchement, je n'ai jamais, 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 jamais eu de poussière dedans. Donc voilà les gens, ici, après on peut continuer, hein. De toute façon ça fait partie de mon matos. Ici on a tout ce qui est liquide de vape avec le reste qui est au-dessus, je vous ai déjà montré mais vous n'aviez pas vraiment tout vu. Donc voilà. Allez, on se retrouve dans 2 secondes. Et merde, ça filme. Ah bon, ben les gens, c'est pas grave, on va continuer. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu en tout cas. Donc voilà, on a ma vidéo setup. Si vous avez besoin de conseils ou quoi pour faire une petite configuration, un petit truc comme ça, je m'y connais un petit peu, j'ai pas des notions accrues sur ça, mais je m'y connais, j'ai réussi à faire ma config tout seul, ça fait tourner quasi tous les jeux en ultra. D'ailleurs, normalement, bientôt, vous allez me retrouver sur Ghost Dracoon également en stream, donc suite.tv/ilozan, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Je vous invite clairement à aller jeter un coup d'œil, venir voir ce que je fais, ça pourrait être vraiment fun. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner, et on se retrouve bientôt. Peace !